Bonjour tout le monde, c'est Isaac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le labyrinthe encore avec le niveau 2. On va essayer de voir qu'est-ce qui se cache là-dedans. Bon, c'était un petit peu tendu sur la précédente vidéo, sur la première partie. Et là, je pense que ça va monter en puissance et je risque de galérer. Alors attention parce que, regardez, il y a un mécanisme, mais je ne sais pas à quoi il sert. L'appareil n'est pas en état de fonctionnement. D'accord, très bien. Bon, bah comme ça règle la chose. Donc là, il y a une TP comme la dernière fois. Voilà, parfait. Et c'est parti. On va se méfier un petit peu, hein. Surtout que je pense que ça va être bien galère. Donc ça va être sûrement la porte à ouvrir un peu plus tard. Voilà. Verrouillé par un mécanisme. Très bien. Il y a une échelle là-bas. J'ai entendu un mob. D'accord, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, les Askar. Oh, il y a du monde. Ah oui, ils sont pas blagués, hein. T'as un qui a balancé... Je sais pas si vous avez vu, il y a eu des boules qui sont arrivées. Très bien. Voilà, toi tu meurs. Non, et là il n'y a rien. Mais en fait, avec les boules là, il a tué un de ses potes. Voilà, une petite fiole, ça fait plaisir. Il fait très sombre ici, hein. Déjà que dans le jeu, je trouve il fait très sombre. Mais alors ici, chapeau. En fait, ici, c'est une zone qui sert à rien. J'entends des mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet endroit. Ok, il y a du monde. Non! Ah ouais, mais ils sont violents, eux. Oh la vache! Ils m'ont dépouillé! Déjà, j'avais vu sur la salle de gauche, ça avait été. Enfin, ma vie était descendue assez rapidement. Il faut que je fasse vraiment très attention quand je rush. Parce que c'est vrai qu'en plus, là, il y en a deux. Donc, du coup, ils me laissent pas du tout le temps de réagir. On va vite récupérer. Les échos, c'est le plus important. Ils descendent pas pour le moment.
Voilà. Allez, viens, mon petit. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. On va juste observer un petit peu cette zone. Je vois un mec au loin. Voilà, parfait. Attention, parce qu'ils sont quand même balèzes, hein, les types. Attention, hein. Voilà, parfait. Il y en a encore un autre. Mais ils sont combien ici? Dans cet endroit là. On va aller se faire ceux avec les boules là. Enfin, ceux avec le feu. Oh, il y a du monde qui est arrivé. Putain, il commence à y avoir du monde, hein. Voilà, parfait. Ah, ça c'est bien pour enflammer mon arme. Voilà, tu meurs. Non, il est pas mort. Parfait. Alors, on va récupérer ce que j'ai à récupérer. Voilà, des fioles, il y en a pas mal. Ah d'accord, c'est là où j'étais en bas. Putain, mais ils sont combien? Je vais y aller là dans cet endroit parce qu'ils arrivent en masse, hein. Voilà, parfait. Ah merde. Un petit peu touché. Oh, attention, attention. Waouh. Putain. Mais ils sont chauds. Voilà. Putain, ils sont vraiment très chauds.
Oh putain. Il joue avec sa cloche. Parce qu'en fait, c'était lui qui a ramené tous ces monstres. Donc j'aurais pu taper à l'infini. Oh putain. Ah oh putain, putain. Putain, il est chaud lui. Ah putain. Non. J'ai été con, j'ai voulu bourriner et c'est pas passé. Bon, tant pis. Ah oh, putain, je vais galérer. Je vais galérer là pour retourner là-bas. Ça va être chaud. Mais lui, il est assez mobile. Autant le premier, enfin dans le premier donjon, c'était pas si compliqué que ça. Enfin dans la première partie. Et là par contre, waouh. Celui-là est vraiment très très mobile. Bon. Waouh! Waouh! Comment ça se fait qu'ils sont apparus comme ça? Putain, c'est un truc de ouf! Bon, on y va en speed. Alors, ce que je vais faire... Voilà. On va pas rigoler. Ah bah parfait. Il est où? Il est où le balèze? Ah, il est là-bas. Waouh, 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 waouh. Il est très étrange, lui. Voilà. Ouh. Très étrange hein, comme personnage celui-là. Alors, je peux activer le mécanisme du coup. Voilà, déverrouiller quelque part une porte menant à l'ancien labyrinthe s'est ouverte. Oula, par contre, regardez mes potions. Oh, je suis dégoûté. Il ne me reste que 4 potions. Oh. Ça va être galère là. Ça va être galère. Bon, eux, on va les esquiver. Parce que là, avec 4 potions... Alors, je sais pas si
je retourne dans le rêve, est-ce que je vais est-ce que la porte sera toujours là ou non? Je sais pas, on va voir. On va tester comme ça. Ok, parfait. Wow! Ils sont trois. Non. Wow. C'est quoi ce bordel? Ah putain, mais je vais mourir. Je suis mort. Là, c'est pas possible. Pour gérer ici, comment tu fais? Oh. Ils sont vraiment galères, les trois Lascars, là. Trois en même temps. Déjà que un, je galère, alors trois. Non mais oh. Ils vont se calmer. Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai plus d'écho, j'ai plus rien. Si je meurs une deuxième fois, je crois que normalement, je récupère des potions, mais je suis pas sûr. Genre si j'ai plus rien normalement. Non mais regardez, j'ai même pas le temps de l'enchaîner. Ça va être vraiment très chaud, hein. Ou sinon, faut que je fasse appel à notre chasseur. Peut-être c'est ça. Ou balancer. Il me faudrait peut-être des cocktails. Ouais. Peut-être m'acheter pas mal de cocktails, je pense que ça peut le faire. Ah, attendez. Mais j'ai peur en fait de tout perdre si c'est ça. De toute façon là il me faut quelque chose parce que là je pourrais pas les battre comme ça. Les trois c'est pas possible. Et là je peux faire. Enfin faudrait que j'en isole un, mais après il va m'en rester deux encore. Et elle est plus là. Putain, il y a hasard, il n'y a plus rien. Hasard, j'ai rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller farmer un petit peu. Je vais aller farmer, ça va me faire des objets et je vais re-enchaîner avec ce donjon parce que là, je peux pas m'arrêter comme ça. Mais les Lascars, là, les trois Lascars. Oh, punaise. Alors, allez vite. J'ai hâte d'y retourner, moi. Vite. Je vais essayer de me faire, ouais, peut-être 10 potions, ça devrait être pas mal. Centre de Yarnam. Des balles. Oh putain, on s'en fout des balles. Voilà. Il m'a rien donné. On va aller en dessous. En dessous, les mecs assez balèzes, là, eux, ils me donnent toujours des potions. Ils sont sympas. Voilà, deux. Voilà. Six, ça fait du bien, ça.
Je vais continuer un petit peu et de toute façon comme ça va me permettre même sûrement d'acheter d'autres comment ça s'appelle? D'autres potions. Mais ici j'ai trop l'habitude de venir maintenant. En fait dès que j'ai besoin d'écho et d'objets, je fais tout le temps ça. Allez. Viens. Voilà, parfait. Franchement, le petit coup comme ça, il est pas mal à chaque fois. Voilà. 12. 12, je suis bien. Je vais peut-être me faire encore le dernier là. Voilà. Parfait, 14, je pense que je suis bien. Après, peut-être même enchaîner pour me faire des cocktails. Ça peut être bien. Je vais me faire juste ces mecs en bas. Ça va me faire encore un petit peu d'écho. Et en fait, j'aurais dû faire ça la première fois. Quand il me restait encore un peu de potions, j'aurais dû, vu que j'avais des échos, j'aurais dû repasser ici. Ce qui m'aurait permis, comment ça s'appelle? D'acheter pas mal de cocktails. Des balles, on s'en fout. Et lui, il va me donner des potions, normalement, le Lascar. Allez, viens, mon petit. Ah, putain. Voilà. Allez. Tiens, je vais reparler vite fait à la fille. On sait jamais. Aucune réponse. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, on y retourne. J'ai 16 potions. 16 potions, je pense que je suis pas mal. Je suis armé là. Je me dis même peut-être, est-ce que je peux appeler dans le donjon un autre gardien? Comme j'ai fait au niveau des guises, ça peut être pas mal. N'empêche, la chapelle, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe dedans, dans cette chapelle aussi. Allez, on va essayer de se taper une dernière fois. Si j'y arrive pas, et eh bien tant pis. Après, c'est vrai que là, c'est balèze, hein. Trois boss, c'est vraiment très balèze. Ah et du coup vu que je suis mort plusieurs fois, ouais c'est... Eh mais attendez, j'ai cru voir un mec. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Ça je verrai sur la prochaine vidéo, mais il me semblait que j'ai vu un personnage. Ouais. Alors, obtenir des objets. Cocktail. Voilà. Voilà. Oh, t'en as dedans. Niveau 2. Suis chaud là. Allez. Chaud patate. On y croit, on y croit. Ça va être chaud. Hein. Mais je vais voir ouais, si je peux appeler. Si je peux appeler. Si je peux avoir un petit peu d'aide, ce serait pas mal.
attendez. Là, je suis où? Non, c'est pas là. Ouais, ok. C'était le temps de me remettre, c'est bien là. Donc, la question c'est, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Non. J'aurais pu appeler ici, mais une fois je l'ai fait et du coup j'ai perdu un bonus. Wow. On se calme, mon petit. Attention. Putain, tout ça pour rien. Ils sont vraiment trop balèzes, hein. Oh putain, je suis dégoûté. Mais non! Voilà, il me reste plus rien. Non, j'ai bien amoché. Hein. Ah ouais, faut que je fasse très attention parce que du coup ils arrivent comme ça. Putain, j'en ai fait un. J'en ai fait un. Waouh. Mais lui, il est relou. Mais, enculé. Ah putain. Ah putain. Voilà, parfait. Allez, plus qu'un. Attention. Faudrait qu'il s'approche. Bon, moitié de sa vie. Allez, on y est presque, on y est presque. Il est vénère. Voilà. Wouh. Wouhou. Calice, racine. Très bien. Très très bien. Waouh. Eh bien c'était galère. J'aurais jamais pensé réussir. Franchement je m'attendais à mourir.
Eh bien, c'est passé et tant mieux pour moi. Donc, ouais, la bonne chose c'était d'essayer de les esquiver au maximum, essayer de s'en taper un par-ci, un par-là et d'escalader. Heureusement, il y en a un qui venait pas, qui restait à chaque fois au bout. Ben voilà, retourner dans le rêve. Donc, là, du coup, il se passe quoi en bas encore? Encore une autre zone? Ouais, encore une autre zone. On va juste voir. Ça s'arrête jamais ou quoi ce truc? Niveau 3. Alors là, je m'attends au pire, hein. Je m'attends au pire avec ça. Eh bien, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de vous sortir cette petite vidéo. Un petit peu galère au début, mais finalement, j'y suis arrivé. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais bon. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir réussi les trois boss, ça. N'hésitez pas en tout cas à laisser un petit j'aime, ça me fera très plaisir et ça m'encourage pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde!